Juste pour vous dire quelques mots sur ce chant, c'est un message d'encouragement à toutes les personnes qui ont un projet, qui ont déjà eu un projet, qui ont eu envie d'abandonner. Ce qu'on leur dit, c'est n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Je parle aussi des personnes qui un jour ont voulu peut-être abandonner la vie, partir. J'ai envie de leur dire n'abandonne pas. Un jour, j'étais dans un enterrement où justement on avait chanté le fameux Amazing Grace, et la sœur du défunt qui s'était suicidée en fait nous avait fait écouter la musique que son frère écoutait en boucle avant de partir et de commettre cet acte. Et la musique, je vais pas dire l'artiste, en tout cas c'était pas du tout du souffle nouveau, c'était autre chose. Et c'était vraiment, et je me suis toujours posé cette question, si sa dernière musique, si la dernière musique qu'il avait entendue était la prochaine, est-ce que ce serait sa dernière musique? Donc n'abandonnez pas, et c'est ce que ce morceau dit. Grâce infinie. Ne laisse pas tomber ta plume. Tu as tant de choses à écrire. Il y a tant de personnes dans ce monde qui ont besoin de te lire. Il y a d'autres options que la mort. Tes voix ne sont pas sans issue, alors reprends ton souffle. Une porte s'ouvre devant toi. On va dire ne laisse pas tomber tes gants. Ne laisse pas tomber tes gants. Le combat n'est pas terminé. Il reste encore bien des étapes. Ta course n'est pas achevée. Le monde pourra s'inspirer de toi. Alors n'abandonne pas. Pourra s'inspirer de toi, alors n'abandonne pas. Il n'y a d'autres options que la mort. Tes voix ne sont pas sans issue, alors reprends ton souffle. Une porte s'ouvre. Il n'y a d'autres options que la mort. Ne sont pas sans issue, alors reprends ton souffle. Une porte s'ouvre devant toi. Reprends ton souffle. Une porte s'ouvre devant toi. Une porte s'ouvre devant toi. Une porte s'ouvre devant toi.
porte s'ouvre devant toi. J'ai dit une porte s'ouvre devant toi. 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 J'ai été perdu. Maintenant